Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Lila revient sur l'épisode de ce soir avec l'élimination d'Isabeau et le fait qu'elle ne soit pas venue dire au revoir. Elle se fait insulter de toutou. Abonne-toi, like la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Bon visionnage. Par contre, les amis, il y a une question là, j'ai une question à vous poser. À quel moment je dois être amie ou pas amie avec quelqu'un, faut me dire. Hein. Si je dois être amie, je dois vous demander l'autorisation. Ça se passe comment en fait? À quel moment? Je fais pas ce que je veux, je fais absolument ce que je veux. Je vais être amie avec quelqu'un, je suis amie avec quelqu'un. C'est pas parce que je vais être amie avec cette personne que je fais de la lèche pour rester dans l'aventure ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas besoin de ça. J'ai fait de la lèche à personne pour entrer dans aucune aventure et je le ferai jamais. Voilà, ok, premièrement. Donc je fais ce que je veux, j'ai envie d'être amie avec une personne, je suis amie avec cette personne et c'est pas pour ça que je vais être un toutou ou je sais pas quoi, ou une lécheuse pour rester dans l'aventure, d'accord. Merci de me donner l'autorisation. Et deuxièmement, deuxième chose, si j'ai pas envie de dire au revoir, je dis pas au revoir. Voilà. Petite chose, j'ai pas envie de dire au revoir, je ne dis pas au revoir, je fais ce que je veux en fait. Personne n'a à me dire quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Mais vous êtes des malades, j'ai pas envie de dire au revoir, je ne dis pas au revoir. Ça veut dire quoi? Genre, je dois dire au revoir. Ce que vous voyez pas dans l'épisode, c'est qu'on ne se calcule pas de toute la journée parce qu'elle pensait qu'on faisait un complot pour la faire sortir, alors que pas du tout, pas du tout. Déjà, avec Isabeau, on est en froid depuis qu'elle avait été susceptible de me sortir. Depuis sur là, moi, j'avais pris un peu mes distances. Mais c'est pas pour ça qu'on était ennemis dans l'aventure, quoi que ce soit. Après, c'est vrai que le jour de son départ, on se calcule pas. On passait l'une devant l'autre toute la journée, on se regardait, on ne se faisait même pas grand-chose, on se regardait même pas un regard. Donc à la fin, quand elle est partie, oui, j'ai pas envie de faire le conflit, je n'ai pas envie de dire au revoir. Et je fais ce que je veux en fait.